Hello à tous! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour continuer et finir la phase de Ventus. Enfin, on a fini le mode histoire. Maintenant, on va essayer de récupérer tous les coffres et tous les stickers qui nous manquent.
Alors peut-être que je lance le jeu, parce que sinon ça va pas se faire. Hein. Ah, il se lance. Vraiment? J'espère que votre week-end s'est bien passé, à part samedi, vu qu'on a live avec Satan samedi. D'ailleurs, je le rappelle, parce que lui aussi il l'a oublié apparemment, on fera la suite de Dying Light tous les samedis, sauf cas où un ou deux n'est pas dispo. Donc sinon, ce sera que le samedi, et moi la semaine, je me garde pour le cash et pour d'autres let's play, bien sûr, d'autres types de live. D'ailleurs, je ferai peut-être un test demain pour voir si je peux stream et sur Twitch et sur YouTube en même temps. Vu que j'ai installé le plugin qui me permettait ça. On va voir. Là, on va couper la musique plutôt, j'allais dire le son du nom. Oh. Hop, et on est parti pour lancer le. Alors, où est la PlayStation? Elle est là. Je crois que c'est celui-là. Ah, c'est ça. Un peu chiant, c'est que je suis obligé de relancer le truc à chaque fois. Je comprends pas pourquoi. Voilà. On est parti. Alors, je vous le dis tout de suite, le recodit, c'est hors de question. Je ne le ferai pas, comme je ne finirai jamais. Return of Memorize, c'est hors de question. Je ne supporte pas les deux jeux. J'aime pas le gameplay en fait. Même si c'est censé apporter des infos en plus, tant pis. Vous pouvez toujours les voir de mémoire chez Frigel et chez Brioche. Enfin, super Brioche. On va reprendre Ventus, du coup, comme je l'ai annoncé. Voilà, parfait. Alors, au niveau des rapports, on a tous les rapports de chez Ventus. Donc, étant donné que c'est le final, je me dis qu'il n'y a pas forcément besoin de faire les espèces de mini-jeux à la con là. Alors, rapport de Xehanort numéro 10, du coup. Comme il fallait s'y attendre, Ventus ne supportera pas ce supplice de réussir à arracher les ténèbres qui étaient en lui en craint aussi Vanitas, un être de ténèbres pures. Ah, mais on l'a déjà lu, ça, je l'ai déjà lu. Ouais, c'est ça. Je l'ai déjà lu. Alors, trésor. Il nous manque Disneyville. Il nous en manque. Ok, donc, on va commencer par Disneyville, du coup. Ah, attends, il y en a un ici à la nécropole équivalée. Du coup, je vais le chercher. Je sais jamais. Ah, je vais juste faire. Je vais me mettre dans le vocal live au cas où que c'est elle me rejoigne à un moment. Voilà, parfait. Et pour certaines choses. Dire où c'est qu'on va trouver ça. Il n'y a plus le temps, Ned. Le coffre il est là, parfait. La potion. Ok, donc là du coup en théorie je n'ai plus à faire la nécropole de Keyblade. Parfait, donc on va aller faire un tour à Disneyville comme je l'ai dit. Avec la musique du diable, n'est-ce pas? Carte du monde, on a dit Disney Town. Pardon, adieu. Hop. Là. Frappe feintée, ok.
Disons que c'est un peu useless maintenant. Mais bon. Cristal chatoyant. Parfait. Y'a rien ici. Détail. Écoute, ça va nickel. Et toi, comment vas-tu? Musique que je n'aime pas du tout. Non, vu que j'ai fini cette phase, non, il n'y aura pas de boss, non. D'ailleurs, est-ce que j'ai tous les liens de Amox? Fallait être là à la fin de la dernière fois que j'ai fait le jeu. Et puis là, je m'en rappelle pas, je t'avoue. Merde. Pas sûr que ça suffise. Ah mais attends. Ah, ça, ça devrait le faire. Ah, ça marche pas! Oh, tant pis. Yeah! Thunder!
Ah putain, il m'en manque un, il m'en manque deux des foot quoi, putain. Chier. Y'a pas un commerçant ici? Quoi si je charge? Ah! Et j'ai rien, ça marche pas. Ça, ça doit le faire quand même. Bon, du coup, le pailleur et le taille électrique il marche pas du tout, je suis un peu dépité. Donc, il y a, c'est le clicker. Ça va suffire là quand même. À quoi elle aurait pas un foudre X? Elle a un foudre plus. Oh, ça devrait pouvoir le faire du coup. Ah bah, il me donne le truc qu'il me fallait au dernier moment. Parfait. Ventus fait un effort, j'ai failli l'appeler Sora ou Roxas hein. Hop. Et là-bas il y a un sticker. Ah. Cristal chaotique, méga potion. Entre deux, je veux bien. Entre les trois, non. Entre Ventus et Roxas, oui. Avec Sora, pas du tout. Sera de très très loin alors. Thunder.
Et encore, même en passant du côté obscur, pas trop loin. Je peux sortir? Lâchez-moi! Au secours! Au secours! Amen! Te pose, ok. Voilà. Alors. Il m'en manque autant. Alors. 1, 2, 3, 4. Hey, on y retourne. Non, sur DS aussi. Et sur Xbox pour le 3. Sur DS pour Drip Drop Distance, c'est pour 358. Évidemment qu'ils ont du succès. C'est les cages quand même, faut pas abuser. C'est quand même un mec, c'est quand même un groupe de mecs qui a aussi à fusionner l'univers de Disney avec Final Fantasy quoi. Donc Thunder.
Ça ce sera juste un plein Final, ça serait juste un Final Fantasy quoi. Ça sera ni plus ni moins qu'un espèce de Final Fantasy, c'est tout. Je sais pas, j'ai pas regardé, j'ai pas envie de me faire spoil, tu vois. Ouais, mais m'en fous. Je le regarderai pas quand même. De toute façon, connaissant les gens sur internet, ils vont aussi spoiler le jeu dès sa sortie, donc bon, je peux remonter s'il vous plaît? Merci. Putain, t'étais là, espèce de bâtard. Ok. Super vol plané, et bah putain. C'est pour ça qu'en général je ne regarde jamais les réseaux sociaux ou internet en général quand j'attends un jeu. Disney, il me manque le troisième en partant de la fin. Si, j'ai vu, mais franchement, étant donné que Dragon Ball Z, enfin que Dragon Ball Kakarot n'a pas fonctionné comme il le souhaitait, il sera battu sur un univers qui a très bien fonctionné, donc Budokai Tenkaichi. Je vais pas me prononcer dessus tant que je l'aurai pas testé. Mais pour moi, franchement, bof. Concrètement, oui. Fighters, c'est pareil, ça a pas si bien fonctionné que ça pour la plupart des... Même pour ceux qui aiment l'univers genre Tekken ou Street Fighter, ils ont pas trop aimé pour que je sache. Donc pour moi, c'est... Ouais, c'est juste le fait d'essayer de relancer Dragon Ball sans faire un Xenoverse 3. Bah franchement, moi Fighters, je l'ai pas du tout aimé perso. Le graphisme il est mauvais. Pour moi, les graphismes sont juste dégueulasses. Après, s'il y en a qui ça a plu, bah tant mieux pour eux. Mais moi perso, c'est pas le jeu auquel je jouerai quoi. Ah, franchement, je préfère Xenoverse, tu vois. Pouvoir recréer ton personnage jusqu'au entièrement, lui faire apprendre toutes les techniques que tu veux. Oui, enfin bon, le graphisme ça fait pas tout, je suis d'accord, mais le gameplay il était pas national non plus. Hein. Enfin, perso, j'avais envie de dormir en voyant le gameplay. Hein. Ils ont juste instauré un nouveau perso et des nouveaux monstres, super. Le genre de perso qu'on aurait pu découvrir dans Xenoverse par exemple.
Non, c'est pas long pour rien, ça reprend toute la phase de Dragon Ball jusqu'à GT en passant par Super. Donc non, c'est pas long, c'est logique. Il va être ce putain de coffre. Après, je dis pas qu'il faut le faire 40 fois, faut choisir la race que tu préfères aussi. Après, t'as les DLC aussi qui sont pas mal, qui rajoutent pas mal de contenu. Après, ça peut pas plaire à tout le monde, hein, les jeux vidéo non plus. T'aurais dû prendre Saiyan, c'est une des meilleures phases. Bon, après, t'as la phase genre l'Imagine et la licence de la race de Freezer aussi, même. C'est pas la même chose, humain et Saiyan, hein. Après, ça dépend, t'as quelle version de Xenoverse, le 1 ou le 2? Oui, si t'as le CJ3, c'est ça, Yann, oui. Oh, bah t'as pris le meilleur des deux, donc c'est bon. Donc c'est qui est ce putain de coffre? C'est Tad! Bah le 1, c'est grave, c'est... Je crois que tu peux même pas créer ton propre perso. C'est t'incarne un perso d'office et après ça en deux, tu fais devenir le héros du temps. C'est tout. Moi je préfère un jeu où tu peux personnaliser ton perso. Hein. Apparemment, il serait dans la salle de jeu de Pat. J'ai l'impression d'avoir moins de détails, comme Dark Souls par exemple. Ah non, moi je préfère. Moi je trouve ça plus mauvais d'avoir un perso d'office que de pouvoir en créer un. Comme dans Skyrim, si tu as un perso déjà créé, ça a aucun intérêt d'avoir de prendre le jeu. Dans ce qui est même concrètement, c'est tu crées ton perso, t'as tes stats spécifiques. Hein. Bah, tu devrais. Ça après si t'aimes pas les bons jeux, hein, c'est son problème. Hein. Ah c'est sûr que c'est pas un jeu où faut traverser ses grands morts, ce qui est bon. C'est pas une histoire de ce que moi je considère comme un bon jeu. Skyrim est considéré comme un des meilleurs jeux de... Dans le. Dans l'une. Enfin des dernières générations.
Je vais pas dire que c'est le meilleur, parce qu'après c'est chacun sa version, mais concrètement, Skyrim est un des meilleurs jeux de conçu. Ah putain, c'est vrai, c'est bien là aussi, faut que j'aille. Ok, donc c'est là que je l'avais pas vu, que j'avais pas vu. Voilà! Avec un sticker en plus. Ah, toi, tu préfères les jeux au faux tryhard, donc bon, à partir de là, y'a un truc qui va pas, tu vois, donc. Comme Metal Gear, sur eux, j'aurais jamais dû acheter. Les Metal Gear, je suis pas un fan de base. Red Dead Redemption 2, pour moi, c'est de la merde. Mais de toute façon, pour moi, Metal Gear, j'aime pas déjà, donc tu pourras me dire tout ce que tu veux sur eux. Sur le jeu, je m'en fous, en fait. Ok, donc maintenant, on va à l'espace profond. Ah non, mais moi les Metal Gear, je comprends le... Je comprends la hype autour du jeu, mais c'est pas mon univers. Alors attends, est-ce que j'ai encore des stickers à prendre ici? Ok, donc dans le domaine enchanté, j'en ai raté un. L'espace profond, j'en ai raté un. Ok, donc faut que j'aille dans le domaine enchanté. Ah putain, je vois lequel c'est, le domaine enchanté. Oula, là comme ça va être compliqué de te dire les jeux que j'aime pas. Hein. Non, le seul FPS que j'aime vraiment, c'est les Call of. C'est tout. Les Battlefield, c'est concrètement la même chose que Call of. On dit, peu importe ce qu'on dira, pour moi, c'est exactement la même chose. TPS. Qu'est-ce que t'appelles les TPS? Donne un exemple, tant qu'à faire. Oui, tant qu'à faire, exemple le plus concret, oui. Thank you.
Qu'est-ce qui s'est passé encore? Ah, c'est peut-être parce que j'ai mis Fortnite en mot interdit. Et non, Fortnite, c'est le pire jeu de l'univers, ça, par contre. Je préfère mille fois... Comment il s'appelle PUBG. Fortnite, c'est de la merde, arrête. Ils sont obligés d'utiliser d'autres licences pour survivre. Arrête. Me dis pas que c'est un bon jeu, c'est de la merde. Un jeu qui est obligé d'utiliser une autre licence pour survivre, c'est de la merde. Si tu me dis que Cash, c'est le même style que Fortnite, je te jure, je te balle. Non, c'est de la merde, arrête. Voir Goku ou Vegeta avec une AK-47 ou un Scar, arrête. Me dis pas que c'est bien. Non, Fortnite c'est de la merde, tu pourras me dire tout ce que tu veux. Fortnite c'est de la merde, du début à la fin. Non, c'est de la merde. Le seul truc qu'ils ont tenté de faire, c'est d'enlever les constructions, genre la base du jeu, mon gamin. À partir du moment où ils enlèvent les trucs principaux de leur jeu, ça vient de la merde, tu me souviens. Bientôt ils vont nous foutre Mario Sonic avec des Scarelles là. Bon, me dis pas que c'est un bon jeu, c'est de la merde surtout. Même les... Si un jour ils vont nous mettre Mario et Sonic avec des AK dans ce jeu, tu vas pas comprendre. Ça tu peux en être sûr. Ils ont bien mis Sora dans Smash Bros, vraiment, à partir de là. Ah bon? Voir un hérisson avec une AK dans les mains, ça te dérangerait pas. Alors, en même temps, ça serait pas étonnant qu'ils essaient de le faire, vu qu'il y a eu un jeu qui s'appelle Shadow the Hedgehog. Et ils ont bien fait le jeu où tu incarnes Shadow avec des armes à feu, donc bon. En même temps, c'est pas un vrai hérisson, c'est juste une expérience génétique, Shadow, donc bon. Non, j'aime pas du tout, non. Je n'aime pas du tout, alors pas du tout. Le Sora de Smash Bros, non. Jusqu'à maintenant, ils utilisaient que des licences qui appartenaient à Nintendo. Et après, ils se sont dit, bah tiens, vu que ça marche plus des masses, bah on va prendre d'autres univers, comme Fortnite, bizarrement. Bah tiens, on va prendre Minecraft, ah, bah tiens, on va prendre Cash. C'est quoi le prochain? C'est quasiment que du Nintendo. Ah bon? Ça appartient à quoi alors? À l'heure actuelle, Sonic, il appartient à quel univers? Ouais, ces gars, ça n'existe plus, mon grand. Au cas où. Au cas où t'auras zappé ce détail de l'histoire. Ces gars, ça n'existe plus, hein. Ça a été repris par Nintendo, hein, la grosse majorité. Hein. Mais ça fait des années que ça a arrêté, ces gars. Ces gars, ça s'est arrêté en 2000, hein, officiellement. Y a plus de console. Hein. Y a plus de console qui sont retenues par ces gars. Maintenant, ces gars, c'est un truc tenu principalement par Disney pour faire des jeux
En référence à Sonic, hein. Ouais, non, mais Sonic, il existe encore. C'est les trucs de Sega qui n'existent plus. C'est les consoles et l'univers de Sega en lui-même. Et c'est pas nouveau. On peut parler du principe que Sega ça n'existe plus hein, depuis longtemps. Maintenant Sega c'est pour tous les. C'est pour PlayStation, c'est pour Microsoft et pour Nintendo. Donc c'est plus un concurrent, donc pour moi il n'existe plus ce univers. Il y a pas un jeu course avec beaucoup de personnes de la Sega. Je pense que c'est existant quoi. Oui, pour les autres consoles, mais eux ils n'en font plus. Donc l'univers de Sega n'existe plus pour moi. Les Sonic vont encore exister sur PSP. Oui. Comme à l'heure actuelle, les Sonic aux Jeux Olympiques et les trucs comme ça. Oh mais même, tu m'excuseras, mais t'as plus rien qui est en référence à Sega, à part les jeux sur d'autres consoles. Sega n'existe plus, tu m'excuseras. Et ceux qui ont fait la Dreamcast alors? Bah Dreamcast c'est Sega. Et ça, la fin de la production c'est 2001. Donc Sega n'existe plus en termes de console, donc en termes de concurrence. Maintenant c'est que des jeux qui sont vendus par d'autres utilisateurs, par d'autres... comment dire? Par d'autres marchands. Ah oui. Imagine, j'avais à peine 2 ans quand Sega s'est arrêté, donc y a pas eu des gens de chez Sega qui sont partis chez PlayStation, d'autres chez Nintendo, chez Microsoft. Y en a beaucoup qui sont arrêtés depuis le temps. Il y en a beaucoup qui ont arrêté en depuis. Hein. Il y en a, ils ont été obligés d'arrêter, enfin de changer de catégorie de trucs. Hein. Oula, bah si je devais te faire une liste, j'aurais pas fini.
Alors, où c'est qu'ils vont être les coffres qui me manquent? Oui, quand même, s'il te plaît. Là. Alors, dans l'espace profond, il me faut le 1, 2, 3, 4, 5, 6... Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le 10 est dans la salle des machines. Où est la salle des machines? Il y a un jeu qui se nomme Frontlines, qui reprend aussi le gameplay de premier Call of. Aucun intérêt. Parce qu'il reprend le même style. Comme Fortnite a repris le style de PUBG. Oui, mais c'est bien que ce soit gratuit. Aucun intérêt quand même. Aucun intérêt. Mais je m'en fous du nombre de joueurs. Pour moi, ça n'a aucun intérêt de reprendre un système de jeu juste pour qu'il soit gratuit en fait. Parce que t'as un autre, t'as un Call of qui est gratuit. T'en as même deux. Il s'appelle Warzone. Et t'as la version mobile aussi. Donc, je réitère ce que je t'ai dit, aucun intérêt. Les jeux vidéo, ils sont impressionnés. Assez créé. Roblox. Ouais. Et à part ça, à part le fait que ça a été créé sur Roblox et que c'est concrètement un truc qu'on a déjà vu. Voilà, rien. Comme l'intérêt, ça n'en a pas. Ah là. Comment ça comprendre? Concrètement, les deux meilleures licences de FPS, c'est Call of Battlefield, quoi qu'ils disent. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, ça changera rien. Et le nombre de FPS qui sont sortis en essayant de surfer sur leur...
Merde. Sur le succès de ces deux licences, ça a pour la plupart enfoiré. Donc déjà à partir de là... Alors je sais plus, il y a plein de jeux qui se sont arrêtés après... après quelques temps, je les connais pas tous, hein. Si je les connaissais tous, ça serait... C'est pas un cerveau que j'aurais, c'est un disque dur. Alors... Ah, c'est pas celui-là, donc il y en a un autre. Là, il serait en haut. Pour savoir où il est. Ok. Oh, je t'ai trouvé. Alors ensuite. Alors attends, là je vois plus tes messages, je vais voir où c'est qui sont ceux qui me manquent. Alors, ensuite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Le 13 est dans le pas de tir. Pas de tir, où c'est que c'est ça? Je pensais que t'avais une main d'éléphant. Oui, bah abuse pas non plus, c'est pas un ça, c'est pas un disque dur que j'ai. Hein. Le pas de tir, c'est quoi? Ouais, c'est là. Alors, le pas de tir... Mais ça serait où? Je l'ai pas déjà pris, celui-là? Il y a un coffre que j'aurais raté, apparemment. Ah oui, effectivement. Ah, fils de... Recette méga attaque, ok. Oh, un sticker. Cool. Hop, là. Ensuite... L'espace profond, je l'ai fini. Apparemment. Ok. Hop. Et il me manque le pays imaginaire, je crois. Je crois que c'est toi, après il me manque... Attends. Alors, les stickers, ils doivent m'en manquer. Ah non, je les ai tous. Ok, donc les stickers, c'est bon. Ok. Mais toujours les 100% sur les caches. Absolument pas. Là, c'est juste parce que celui-là, je voudrais essayer. Je vais pas dire essayer de le platiner parce que faut que je fasse tous les mini-jeux aussi et j'ai pas envie. Mais non, là, j'ai juste envie d'essayer de le faire au max. Le pays imaginaire, il me manque le 1, le 2, 3, 4, 5, 6 et le 7. Alors, le premier, il est dans la crique apparemment. J'étais pas allé dans la crique.
Ah bah non, parce que je me suis battu avec crochet, donc non, j'ai pas eu le temps de les prendre. Je sais plus lesquels qui me manquent. Il me manque le 7, je crois, j'avais dit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, le 7, il est dans la lagune aux sirènes. Ok. Ok, c'est parti. Faut juste que je me rappelle où il est. Ça, c'est la clairière avec le... avec l'arbre pendu. La réserve des Indiens. C'est pas le coffre du monde avec terre. Si, je crois. Où est la putain de lagune aux sirènes? Ah bah, je suis dans la lagune aux sirènes, là. Ok. Donc à partir de là, où est le coffre? Oh, je sais où il est le coffre. Ok. Et voilà. J'ai officiellement tous les coffres. Voilà. Il me manque les commandes. Les objets, mais les objets, je m'en fous, franchement. L'entraide, pareil. Les déplacements, bof. Enfin, les actions et tout machin, je m'en fous un peu, je vous avoue. Donc, au bout d'une heure 4, on a fini la phase Ventus avec tous les objets. Avec tous les coffres, en tout cas. Non, je ne commencerai pas la phase d'Aqua maintenant. Maintenant, faut juste que je retourne à une zone, à une zone de save. Et voilà. Je suis d'accord une chose, toutes les scènes compétitives sont chiantes quand il s'agit de débats. Comment ça? Je ne comprends pas. Non, parce que Smash est un jeu que j'ai littéralement abandonné parce que c'est devenu mauvais. Non, parce que je le trouve plus bon du tout. Ah mais de toute façon je le suivrai pas, j'aime pas Smash, pour moi c'est devenu un jeu full tryhard et c'est un truc que j'aime plus, donc que j'aime pas du tout donc c'est pas le fait que ce soit un platform fighter que j'aime pas. Non, t'es pas obligé de tryhard pour jouer à des jeux. À la base, les jeux, c'est pour s'amuser aussi. Hein, ouais.
Les jeux c'est fait pour se détendre, hein, pas pour, pour tryhard et se faire insulter. Hein. Last Blow c'est du tryhard aussi, je sais même pas ce que c'est, tu vois. Merci pour le follow, ok toi. Tu étais pas déjà follow toi? T'as perdu ton autre compte ou quoi? D'accord. Pourquoi? Ah merci. Pas du tout. Ça fait des plombes de là que j'ai pas. Ça fait un petit moment là que j'ai pas retouché au set alors. Spoil par internet, j'ai pas mieux faire spoil par des personnes, tu vois. La logique un peu. Oh merde lui. Ça dépend. Ok, là c'est le boss. Là ça va être un peu plus ardu.
pas que. Ouais, ok. J'ai Il m'a pas mis un seul dégât. Après, en vol céleste. Ah, d'accord. J'ai rien dit, ça va. Je suis peut-être un peu trop balèze pour le jeu aussi. Je sais pas, juste ça dépend en fait. Ça sera dans quoi la compétence en question? Ah, ce serait un. Ok, pour savoir ce que c'est. C'est un coup de grâce. Ah non! Envolée céleste. Je crois savoir ce que c'est. Ah là, envol céleste, voilà, je m'en doutais. Tactique, si vous avez un style de commande, puis utiliser des commandes de type gravité nulle ou des attaques glissées vers l'avant ou sauter. Ouais, je m'en doutais un peu. Alors toi, tu me vends quoi, tiens? En collectif, m'en fous. Mais c'est de la merde! Ouais, de ouf. Ah, puisque. Ils font un peu trop mal à mon goût, par contre. Ah, c'est peut-être parce que j'ai pas de niveau aussi. Ah, c'est parce que j'ai le niveau d'arène 4, c'est pour ça. Faut que je l'augmente mon niveau. Allez, let's go. Oui, je vais essayer de faire tous les niveaux de mode arène. Vous me dites s'ils sont trop forts. Parce que c'est le meilleur. Ventus, c'est le meilleur. Après Terra, bien sûr.
Vas-y, du genre. Si tu me dis ça, oh, évidemment, c'est le personnage principal de base du jeu, donc oui, forcément. Merlin, d'accord. Bon, attends, je vais te faire rapide. Allez, comme tu dirais, bonne journée. Niveau d'arène 5, let's go. Ah oui, lui. Et là, elle fait une attaque en vrille puissante et touche les ennemis avec des colonnes de lumière. Gêne de... Oh, c'est bien, ça me plaît, ça. Bon, par contre, là, je vais me permettre de me mettre un son X, quand même. Vu les dégâts qu'ils m'ont mis, c'est fumé. Regardez-moi cette gueule. Regardez-moi cette Keyblade, mon dieu. Alors j'ai pas roté par contre mon ref. Hein. J'ai juste eu un Walker, ça s'appelle. Ok, c'est juste j'ai eu une remontée, c'est tout. Ah oui. Voilà, parfait. Hop, voilà. Allez, la bonne journée.
Oui, plus ou moins, oui. Pourquoi dans les trois quarts du jeu la pose d'écriture, les caractères spéciaux, avec des lettres, avec un accent, sans plus que le. Ça va, hein? Faut qu'elle pose des questions à ceux qui le font. Ouais, ah, l'envol céleste, bien. Ah, là ça va être compliqué. Ah putain. Oh non. Oh, sympa l'envolée céleste. Ah oui, salut, me redonne de la vie. Ouais, ça dégage, là je peux augmenter, let's go. Demande de s'en utiliser une fois. Et ouais, le salut il est pas considéré comme un soin. Si je l'avais eu avant ça, j'aurais été tellement heureux face à Vanitas. Oh, je kiffe cette Keyblade, bordel. Les gars, je suis en train de me forcer à parer, quoi.
Vas-y, tape. Oui, je l'ai déjà battu, Vanitas, oui. Non, merde, les petits. Sérieux. La keyblade, on peut pas l'avoir de mémoire. D'avoir la Keyblade. Ah non. Sinon, cache 1, 2, 3 et la suite n'existerait pas. Réfléchis. Mais non, de toute façon, elle va pas détruire le monde, non? T'aurais eu la notice si je l'avais posté la vidéo. Réfléchis. Ah voilà, bah t'as qu'à regarder. Pas de poste, pas de problème. Là, t'as qu'à regarder. Comme ça, tu poserais pas des questions, con. Et merde. Bah si, là, elle est vraiment conne, ta question. Que si tu si tu pensais à regarder les notifs, tu le saurais si je l'avais posté la vidéo. Et bah tu suis pas, donc, mais ta question elle est conne quand même, ça change rien. T'as qu'à suivre, justement. Pardon.
Oh, avec ça, je vais peut-être remonter. On se voit. Ouais, bon. Oh, ça. Ah, bah, j'ai pas monté. Twist. Ça marche, à plus. Ah, à moins que je puisse créer la fabrique. Attends, est-ce qu'on peut l'avoir la Keyblade? Je suis pas sûr de ça, mais. Il me semble qu'on peut pas l'avoir de toute façon. Enfin, de toute façon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On a fait ce qui était le plus important. Les coffres et les stickers. Du coup, merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir comme d'habitude. On se retrouve demain pour un test, voir si je peux stream sur YouTube et Twitch en même temps. Je pense pas, mais bon. On sait jamais. Hein. Sur quoi, je sais pas encore. On verra. Faire un test sur un jeu lambda, peut-être. Je sais pas, peut-être un jeu de la PS, un jeu de l'Xbox, j'en sais rien, je verrai bien. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée sur laquelle vous regardez cette vidéo. Et quand on je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Et je vous laisse encore une fois avec la musique du jeu. Bye bye à tous, bonne soirée.